Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Let's go! Comme tu sais, sur la chaîne YouTube, en fait, on parle de nutrition, on parle d'entraînement, mais on parle aussi de mindset. Et aujourd'hui, on est plus sur une approche mindset. Je vais te filer une méthode pour booster ta journée, pour réussir ta journée en fait, tout simplement. Je vais t'expliquer ce que je fais chaque matin et ça a radicalement changé mes journées. Ce dont je te parle, en fait, je ne l'ai pas inventé, tu sais. J'ai lu un livre qui s'appelait Miracle Morning et puis, bon sceptique, j'ai essayé et j'ai adopté. Alors la base, c'est de se lever tôt. C'est de se lever bien avant de commencer le travail, bien avant de commencer sa journée. Après, tu adaptes ton Miracle Morning pour toi. Il y en a pour qui ça va durer 5 minutes, il y en a d'autres 10, il y en a d'autres 15, il y en a une heure, peu importe. Le principal, c'est de l'adapter à ce que toi, tu es capable de faire et à ce dont toi, tu as besoin. Dès que je me lève, je commence par soit 5 minutes de cohérence cardiaque, soit entre 5 et 15 minutes de méditation. Je ne développe pas chaque sujet parce que ce n'est pas le but de la vidéo, d'accord? C'est à toi de voir et faire tes propres recherches ou d'aller voir dans certaines vidéos que j'ai fait où j'ai déjà parlé justement de la cohérence cardiaque et de ses bienfaits. À la suite de ça, je prends 1 à 2 minutes où je fais de la gratitude. En fait, avoir de la gratitude ou faire de la gratitude, c'est tout simplement se rendre compte, se rappeler ce qu'on a déjà. Et donc moi, j'ai tout un tas de photos dans mon bureau qui me permettent en fait de me rappeler mes périodes de compétition, de me rappeler ma famille, de me rappeler mes avancées dans l'immobilier, ou peut-être aussi tout simplement kiffer le fait d'être en bonne santé, d'avoir passé une bonne nuit, d'avoir un bon lit, d'être au chaud, d'être en fait te rappeler tout ça quoi. Et puis pratiquer la gratitude, ça va changer la chimie de ton cerveau. Mais là, c'est encore autre chose, on va pas développer ici. Ensuite, j'enchaîne sur de la visualisation. Ça peut paraître un petit peu ésotérique, mais en fait, le but, c'est simplement de programmer ton subconscient à penser, à croire qu'il a déjà ce que tu veux. Dans les premières vidéos, tu sais, j'avais fait une vidéo sur les 5 conseils à mettre en place avant une perte de poids, avant de démarrer un régime. Et dedans, on faisait, dans le deuxième conseil, on faisait de la visualisation. Céline te mettra le lien. Tu mets le lien, s'il te plaît, Céline, en fin de vidéo. Donc ça, c'est un concept qui est très puissant. Ça peut paraître perché, mais je vous assure que vous avancez à vitesse grand V. À la suite de ça, je prends quelques minutes chaque matin pour lire, mais simplement quelques minutes. En fait, je vais lire plus longuement à un autre moment, mais ça ne fait pas partie du Miracle Morning. Je vais juste prendre quelques minutes pour lire, mais de la lecture bien spécifique pour nourrir mon cerveau. Par exemple, le moment présent. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous mettrez... C'est quand même costaud. Hein. Si vous n'avez jamais fait de développement personnel, peut-être commencez par quelque chose de plus simple. Et ensuite, ça m'est personnel encore, j'utilise Duolingo. C'est un logiciel pour apprendre les langues. Donc là, je fais entre 5 et 10 minutes d'espagnol, 5 et 10 minutes d'anglais. À la suite de ça, je prends quelques minutes et je note mes 3 plus gros objectifs de la journée. En fait, quand tu veux réussir dans la vie, il faut que tu structures ta vie. Et tu peux pas passer, comme dirait Franck Nicolas, 15 minutes à choisir tes vêtements le matin, mais pas à choisir ta vie. Donc tu prends quelques minutes et tu as 3 axes importants sur lesquels tu dois travailler dans ta journée et tu ne dois pas y déroger. Et ben moi, je les note. Et c'est la base pour réussir. Donc tu vois, si je suis sur un très gros projet, ben, je vais me lever à 4h du matin. Comme ça, je vais faire ça. Ça va me prendre une petite heure max. Et après, je vais bosser à peu près 2 heures, voire peut-être 3 sur mon gros projet avant de partir au taf. Parce que c'est là où je suis le plus productif. Et lorsque tu as fait ce Miracle Morning, ben quelque part, après ta méditation, après la cohérence cardiaque, tu passes en onde alpha. C'est aussi encore un peu compliqué, on ne développe pas, c'est pas important. Mais disons que tu te mets dans de bonnes prédispositions pour avoir soit les bonnes idées, d'avoir une énergie créatrice, tout simplement, ou pour apprendre et comprendre plus facilement. Si tu veux comprendre pleinement cette vidéo, je t'invite à lire Miracle Morning. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Tu as des liens aussi pour des programmes, un programme pour travailler les torsos lorsque tu as des douleurs lombaires. C'est mon programme d'ailleurs, en tout cas le plus souvent possible parce que j'ai des problèmes lombaires. Ensuite, tu as un programme sur la créatine, une formation même. Tu apprendras tout ce qu'il faut sur la créatine pour savoir quand l'utiliser, comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser, quel type de créatine. C'est complet, c'est top. Tu laisses ton email, tu reçois un email avec la formation. À bientôt les amis. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même.